Je m'appelle Nicolas Scory, mon nom d'artiste c'est Skio. Je suis l'organisateur de Rustique, qui est une exposition collective de street art qui rassemble maintenant à peu près 250 artistes. C'est bien. Représentant de chaque roue là. On a de la rouge, de la turquoise, de la rose, de la bordeaux. Hop. Donc il y avait deux modules de graffiti qui étaient des octogones en bois qui étaient mis sur le parvis de la mairie. On avait d'un côté les on-off, donc trois graffeurs qui composent ce groupe-là. Donc c'est du graffiti un peu de nouvelle génération qui sont inspirés par du graphisme autant que de la peinture, autant que du graffiti. Ensuite, de l'autre côté, on avait l'octogone sur lequel agissait un groupe de graffeurs qui s'appelle les HEC. Donc c'est les initiales pour dire haut en couleur. Eux, vraiment issus de la culture hip-hop, qui font aussi de la danse et beaucoup de graffiti, plus dans la culture hip-hop, avec du lettrage, avec des personnages. Une heure plus tard, on a démarré le cello graffiti. Donc le cello graph, c'est de la peinture sur cellophane. Bon, là, on avait 15 mètres sur 2 mètres de haut. Donc c'est du cellophane tendu sur lequel il y avait deux graffeurs qui créaient là-dessus. D'un côté, on avait Canos qui vient des Beaux-Arts. Et d'un autre côté, on avait Astro qui fait du lettrage, ce qu'on appelle wall style, qui travaille ses lettrages, qui les déforme d'une manière à avoir une typographie gothique et très travaillée pour donner des créations assez compliquées et esthétiques en même temps. Dans vos études? Les artistes qui sont ici, on fait des études dans l'art et après on fait divers métiers, mais ici ils font expriment leur passion. En fait, ils n'ont pas un diplôme. Ils n'ont pas forcément tous des diplômes pour faire ça. En fait, ils ont appris en le faisant sur les murs et ils s'expriment comme ça, de cette manière-là. Ça leur permet de faire des grosses fresques. Aujourd'hui, on a l'opportunité de vous le montrer. C'est un ami designer qui s'appelle Arnaud Mathieu qui nous a donné des fauteuils bruts en carton sur lesquels venaient créer des artistes à base de peinture ou d'autres choses. Là, en fait, il était plus terminé aussi par des graphistes pour faire des séries limitées. Je vais peut-être aller récupérer les seaux et la colle et le matériel pour les affiches.
l'a ramené là. Et ensuite, on a eu l'événement d'affichage. Une trentaine d'artistes de divers milieux artistiques qui ont préparé des créations sur du papier. Et ensuite, on est parti sur le lieu qui était juste derrière la mairie, coller environ une quarantaine à une cinquantaine de créations. Les affiches, on nous avait donné la possibilité de les coller sur un mur vers la gare de Puteaux et qui était divisé en trois parties. Voilà. Étale bien comme ça là, sur les bords, du centre vers le bord. Regarde juste la gare, là. Plie comme ça. Pour le collage, le support c'est du papier qui est collé avec par exemple la colle à papier peint. Et c'est quelque chose qui est assez simple à utiliser, à coller et même à retirer. Vas-y Dominique, putain vas-y! Vas-y on y croit, on y croit, on y croit! Et c'est dangereux ton truc quand même là. Ensuite, comment est travaillé le papier, ça dépend de chaque artiste. Ça peut être autant fait à la bombe de peinture qu'au pinceau, qu'au crayon ou même imprimé. On a des graphistes qui impriment directement sur le papier et ensuite qui vont le coller. On a des photographes aussi. Mais on a vraiment de tout, même du collage sur le collage. Il n'y a aucun vraiment point commun à tous, sauf l'envie de s'exposer et de rencontrer d'autres artistes qui ont cette même envie de se montrer et de participer à une action collective qui se passe dans l'art. Voilà quoi, c'est tout simple. Il y a autant des hommes, des femmes, des enfants, c'est vraiment éclectique et ça rassemble vraiment tout type de personnes. I'm from Mumbai, India. Okay. So what do you think about this? It's one of the first art events that we're attending in Paris right now. And as far as the street art is concerned, it's something more of a large of a lot of different inspirations. A lot of thought has gone into different styles of different each of different artists, representing what they think is the best way of expressions of art. Yeah. So it's a great atmosphere. It's a great time to be here at least. Thank you. Journée d'échange plus qu'une journée pour se mettre en avant. Avec son ruban et ses lunettes, elle est ravissante. Vous avez déjà entendu parler de rustique avant ou c'est la première fois et par hasard que vous êtes arrivé? Rustique, non. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le public apprécie beaucoup le fait de voir les œuvres d'art, mais aussi de voir les artistes en train de les coller. Donc ça, c'est vraiment une belle opportunité. Et puis, on découvre à chaque fois de nouveaux artistes qu'on voit dans la rue et on ne connaît pas nécessairement tout leur travail. J'avais jamais vu. Je trouve que c'est dommage que ce soit éphémère. Ouais. Donc, on l'enlève, je comprends pas qu'on l'enlève. C'est lequel ton préféré? Il est bien. Ah, c'est le monstre, t'aimes bien le monstre? Oui. C'est vrai? Oui. En plus, il a des rôles dedans. Quand on organise un rustique, en général, on le fait très spontanément. On envoie une invitation aux artistes. On va trouver un lieu et une semaine après, ça se déroule dans la rue. Là, pour Puteaux, on a quand même mis près d'un an pour le réaliser. Donc, ce qui est bien parce qu'on a pu trouver des partenaires, faire un site internet, créer une communication efficace. Mais sinon, on ne se donne pas le temps de faire ça. Parce que ce qui plaît aussi aux artistes, c'est le fait que ce soit spontané, ouvert à tous, qu'on ne prenne pas de gants non plus avec les gens de la mairie pour leur demander si on peut faire ci ou si on peut faire ça. Donc la liberté, ça se prend, ça ne se demande pas forcément.
une citation de Frédéric Nietzsche qui dit que la mission suprême de l'art consiste à libérer nos regards. Et je crois que c'est parfaitement la mission qu'a remplie aujourd'hui Kluski. Merci beaucoup.